bienvenue chez vous. Du coup, on ne sait plus, il faut vous appeler Manu, Emmanuel. Ben, Manu, c'est un peu Flo, quoi. Un Flo. Mais on aime bien, on a toujours une Flo ou un Manu dans une équipe de copains. Ce serait dommage d'arrêter d'appeler les Emmanuel Manu. Parce que Manu, c'est toujours un peu plus festif. Si Manu n'est pas là, en général, la soirée n'est pas pareille, quoi. On n'y vient pas, Manu? Oh, dommage, j'aime bien quand Manu est là. On aime bien quand il y a Manu et Flo. J'ai 47 ans. Oui, c'est un peu plus normal, mais je vous jure que... Manu, il devient Emmanuel en approchant de la cinquantaine, c'est ça l'histoire. Manu, il devient Emmanuel quand il parle de lui de manière plus intime. Et puis surtout, quand il parle notamment de son enfance, durant laquelle on l'appelait Emmanuel. Il se réapproprie un peu son prénom. Il fait la paix avec... Et donc avec l'enfance, avec etc. Pour pouvoir devenir papa. Alors l'intimité d'Emmanuel, c'est ça. C'est la paternité. Oui. Et c'est comment on y arrive? On y arrive comment alors? Avec beaucoup de déboires. Mais ça fait un spectacle. Je vais tout vous raconter, Flo. J'ai vieilli depuis la dernière fois que j'ai joué ici. C'était en avril 2017. El tiempo pasa. Vous êtes content ce soir de vous poser à Antibes? Ah ouais, je suis ravi. Je suis ravi parce que je suis chez des amis déjà. C'est un théâtre que j'ai déjà joué ici. J'ai été très impressionné de le découvrir la fois précédente parce que c'était ma première fois en théâtre. Oh, j'ai dit donc, j'aurais dû mettre la cravate. Et ben, j'en ai apporté une. Et c'est pas fini parce que le clou du spectacle, c'est ça. Antibes, je connais un petit peu, mais je connais mieux Nice. J'avais oublié qu'Antibes était à 25 km de Nice, quand même. Et puis, j'avais oublié qu'en fin de journée, ben, apparemment, personne n'habite dans Nice. Tout le monde se barre et rentre à Antibes. Qui sont les gens qui, dans Nice, sont des figurants?